Donc là, au niveau du rétroviseur électrochrome, on va pouvoir retirer la pâte et on va pouvoir constater, voilà, que là, c'est bien percé pour pouvoir passer, alors que sur le nôtre, ce n'est pas le cas. Hein, sur notre support, ici, ce n'est pas le cas. Donc, opération indispensable. Créer le passage qui va bien. Donc, perceuse, je commence avec une petite mèche. Je prends bien le milieu. Voilà. Et on va forer tranquillement. On va commencer à faire un premier trou. Le premier trou est fait. Il va falloir traverser tout ça. Donc maintenant, on va passer à la taille au-dessus. Voilà, on y est presque. Encore un petit peu. Voilà. Et la dernière taille. Voilà. Là, on y est. On vérifie que ça passe. C'est tout bon. Voilà. Donc là, déjà, on a le passage des fils. Donc perçage diamètre 5. Voilà, au final. On passe à la suite. Nous voilà donc à l'intérieur pour la pose du rétroviseur. Donc vous sortez votre ancien rétroviseur, vous l'orientez vers le bas, vous tirez très très fort. Hein. Je vous préviens, il faut y aller fort, ça va le déclipser. Hein. Et là maintenant, il va falloir démonter un petit peu pour accéder au câble, au fil du plafonnier. Alors tout d'abord, le support de notre rétroviseur, donc derrière lequel il y a le détecteur de pluie. Donc ça, vous appuyez vers la vitre, hein, vers le pare-brise, fort, et vous montez, descendez, pardon. Voilà. Et là, vous voyez, il vient. Le but, ça va être donc après de faire passer donc nos fils de notre rétroviseur par le même câblage ou par le même chemin que le détecteur de pluie pour accéder au plafonnier. Le démontage du plafonnier, donc. Vous d'abord, avec un petit tournevis, vous déclipsez l'éclairage du plafonnier. Voilà, je vais le démonter. Ensuite, on va démonter le bloc là. Donc, vous avez deux clips en métallique. Voilà, vous actionnez les clips métalliques à l'intérieur et vous tirez. C'est pas très compliqué, hein. Voilà, le voilà. Puis, il est démonté. Là, on a accès, mais pour accéder là-bas au chemin passage de câble, c'est pas encore simple. Donc, on va démonter. Là, vous avez donc, avec une petite vis torque, avec un tournevis torque, deux vis ici, une là. Pareil pour l'autre. Voilà. Là, ensuite, on déclipse. En voilà un, en voilà deux. Ça va permettre de faire tomber le toit un petit peu. Voilà, légèrement, ça suffira. C'est pas à peine de le démonter entièrement. Hein. Voilà, et là on a l'accès. Première étape terminée. Maintenant, on va passer à la suite, le passage des fils et le branchement. Après avoir remonté votre rétroviseur sur le support, voilà,
vous le réappliquez, vous passez bien donc les fils là, et là, mauvaise nouvelle, voilà, vous faites l'opération inverse, vous reclipsez vers le haut, et mauvaise nouvelle, bien sûr, mes fils sont beaucoup trop courts, ils s'arrêtent là, alors qu'ils doivent rentrer et arriver jusque là. Donc je vais aller faire un petit peu de soudure, je vais les rallonger, et on se retrouve une fois que c'est fait. Bien, j'ai rallongé mes fils, voilà, ça devrait aller maintenant. Alors, le rétroviseur a trois fils, un noir, un gris et un plutôt marron. Voilà. Donc nous, on va garder le noir, le gris. Le marron ne sera pas utile pour nous. Alors, je recommande autant que possible d'essayer, si pour prolonger vos fils, de trouver les mêmes couleurs. Malheureusement, moi, ça n'a pas été le cas, j'ai pas trouvé de gris. Bon. Alors, j'ai prolongé le noir avec du noir et j'ai prolongé le gris avec du bleu. Ce qui importe, c'est de ne pas se planter à l'arrivée. Et j'ai pas été très fin parce que je vois qu'il y a du bleu sur mon plafonnier, alors que le bleu, je vais pas l'utiliser. J'ai pas été très malin là-dessus. Et donc, vous faites attention à ça. Essayez de... Voilà, moi, j'ai pas envie de recommencer la vidéo, donc on va faire comme ça. Donc maintenant, on va essayer de rebrancher, de remonter notre rétroviseur, voir si tout ça passe bien. Voilà. Allez mon coco, tu vas y aller. Te fais pas prier, s'il te plaît. Ça y est, c'est reclipsé. Là, ça passe. On passe ça là-haut. Ça passe aussi, c'est tout bon. Et c'est propre. Voilà, j'aime bien quand c'est propre, moi. Les deux fils là passent bien. Et maintenant, on va les connecter. Donc pour ça, je vais utiliser un petit domino. Et on va brancher le noir, qui est le moins, avec le jaune-vert. Et le bleu, voilà, qui est le plus, avec le jaune. Et le bleu, on laisse tomber. Vraiment, j'ai pas été malin, mais bah, tant pis. Voilà, on se retrouve une fois que la connexion est faite. Bien, donc notre petit domino est en place. Le rétroviseur a été raccordé donc au plafonnier. Et on n'a plus qu'à remonter tout ça. C'est parti! On reclipse d'abord le toit. Voilà. Voilà. Mise en place. Une. Deux. Ça c'est ok, ça c'est ok, c'est ok. Faire attention que le domino passe bien sur le côté pour pas gêner.
tout est remonté. Et c'est bon. Voyez, tout est OK. Et quand je coupe le contact, il s'éteint puisqu'on l'a bien mis. Évidemment, on a pris contact. C'est pour ça qu'on a choisi ce câble-là dans le plafonnier. Voilà, vous avez un rétroviseur électrochrom sur votre 206. Nickel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Et puis, la prochaine fois que je fais une petite connerie dans ce genre-là, là, encore un petit bidule du genre, je ferai probablement un tuto. Ça peut toujours dépanner ceux qui ne savent pas trop comment faire, même si ce n'est pas vraiment compliqué. Salut à tous !